Bonjour mon ami, tu kiffes les vidéos de Rito, non? Laisse les gens parler, abonne-toi et active la cloche de notification. Que Dieu te bénisse. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous voyez la magie qui est en train de se dérouler sur la chaîne de notre artiste de Bordeaux, Likoufa, de tous les fans de Bordeaux, Likoufa, de tous les sympathisants de Bordeaux, Likoufa. Franchement, moi je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux aujourd'hui. Et j'avais vraiment pas envie de faire cette vidéo-là. J'avais vraiment pas envie de cette vidéo-là. Mais je me dis, on m'a tellement traité de suceur, on me traite tellement de suceur que j'ai bien envie de sucer encore la bite aujourd'hui. J'ai vraiment bien envie de sucer cette bite-là. Voilà, la bite à mon artiste de Bordeaux, Likoufa. On est en train de vous gazitifier, voilà. Tu connais un trail là, non? Voilà. Ok. Bon, qu'est-ce qui se dit actuellement? Je vais commencer d'abord par les petites remarques et puis venir sur la grande remarque. Voilà, grande remarque. Je vais vous donner, je vais vous éclaircir un peu sur cette histoire de plagiat là. Oh, les gens font trop la propagande de la mauvaise information. Ça me fait mal. Et quand je viens souvent faire des vidéos pour réagir, pour mettre, bah, comme dit Jarapat, me dit, on trouve que je me la joue trop intello, que je suis trop gonflé, je ne suis pas plein d'humilité. Ah, bon, c'est vous qui dites ça, hein, c'est vous qui dites ça, c'est vous qui dites ça. Sinon, mes proches me connaissent très très bien. Voilà. On dirait que je suis peut-être l'un des youtubeurs les plus humbles. Parce que je cause avec pratiquement tous ceux qui ont envie de causer avec moi sans faire la grosse tête comme certains. Voilà. Bref, avant même d'aller chez les petites remarques, je vais d'abord vous expliquer. Comprenez une chose, les amis. De Bordeaux, Likoufa est un artiste très créatif. Voilà. Très créatif. C'est-à-dire, c'est une armoire musicale. Il est là, il peut prendre tout et créer un œuf. Je vous explique. Le mec, avant de venir avec son agazagaza, écoutez-moi bien, hein? Avant de venir avec son agazagaza, qu'est-ce qu'il fait? Il prédit encore que les gens vont parler. Certes, on le croit brouillon, pas trop intelligent, pas trop professionnel, mais il est très intelligent quelque part. Il est très très intelligent. Pourquoi il est intelligent? Je vous explique maintenant. Il vous dit, sur un poste, que son son qui va sortir, son prochain single qui va venir faire dormir tous les autres singles de ses concurrents, est inspiré de quatre artistes. Moi, perso, quand j'ai écouté Agazagaza, j'ai pas vraiment vu ces quatre artistes dont il voulait parler. Mais au début, je vois, je dirais pas le refrain, mais la manière de chanter. Voilà. La manière de chanter de la grande artiste béninoise Angélique Kidjoko. Voilà. Par rapport à son titre Agolo. Je vais fredonner ça un peu avant de continuer. Voilà. Ce qui est différent de mon artiste de Bordeaux, Likoufa, qui chante comme la mère, mais à sa manière. Puisqu'il est un peu comique, on va dire, il a un petit côté enfantin, il fait le cri de Tarzan en faisant. Et puis lui-même, il a déphasé à la limite, il a juste suivi la gamme, après il change la gamme, il met du débordé dedans. C'est une nuance en fait, c'est ce que vous devez comprendre. Et puis Pori Orio, c'est pas la même chose. Je m'arrête là d'abord. Je continue. Vous voyez, le gars dit. Son son s'inspire de ces quatre artistes-là, c'est-à-dire Angélique Kidjoko, Boni Nyanhoré, Dobé Nyanhoré et Nigissaf Kadance. Je vous explique. La première partie, c'est-à-dire les 40 premières secondes, il fait de la nuance, c'est-à-dire il met du de Bordeaux et une petite partie, un petit chanté de la mère Angélique Kidjoko. Voilà. Écoutez-moi, hein, écoutez, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous donner la définition. La vraie définition du plagiat. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont en train de vous raconter du n'importe quoi sur la toile, les amis. Voilà, comme je vous ai dit, je suis venu dans cette vidéo-là pour sucer encore la bite de mon artiste de Bordeaux. Voilà, et j'en suis fier. C'est parce que dit certaines vérités dérange les gens. C'est parce que vous détestez les gens. Il y a des personnes comme nous qui sont prêts à défendre l'artiste. Ça fait de nous des suceurs. On va sucer bien. Voilà, vous voyez un peu? Première partie, comme je dis, il fait une nuance. Il fait du de Bordeaux et du Angélique Kidjoko dans son titre Agolo. Vous comprenez un peu? 40 secondes, je dirais. Il rentre. Comment il s'appelle? Le père. Le père et sa fille. Là, il a tout mélangé. Il a fait
et du Boni Yaoré et du Dobé Yaoré. Maintenant, dans la dernière partie, il fait du Nigistaf, la partie dansante. Et il fait du Nigistaf comment? Toujours dans la même nuance. Et là, c'est le travail de Louis-Philippe qui va parler. Vous ne pouvez pas dire, c'est le travail de Louis-Philippe qui a parlé. De quel plagiat vous parlez, les amis? Moi, je ne comprends pas pourquoi l'Africain est aussi méchant. Pourquoi l'Africain voit le mal partout? Pourquoi l'Africain ne s'est pas encouragé? Il y a des artistes qui font du plagiat. Ça existe. Mais je viens vous dire dans cette vidéo-là que Debordeaux, de toute sa carrière, n'a pas fait de plagiat. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je prends la définition de certaines universités sur le mot plagiat. Hein. Je vais vous donner cette définition-là. Mais je vais vous expliquer un peu d'abord. Les amis, je répète, les gens vous blaguent trop. On me dit Picmay était du plagiat. Or, Picmay, le début de Picmay est l'œuvre de l'ami personnel de Debordeaux qui est Brigade Sabat, qui lui a même dit, Petit, si tu veux que ton son mousse, ce tiaï que j'ai là, je te le donne pour que tu mettes ça dans ta chanson au début. Les gens vont parler, mais au moins c'est moi qui te donne, c'est pas du plagiat. Vous allez comprendre. Je sais que les gens commencent à comprendre un peu la définition du plagiat. J'en viens. Robo Macador, c'est déjà vu, vous dites. Sur quelle sonorité? La musique électro, la musique robotique, il y en a des milliers, 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 milliers d'exemplaires. Donc quand vous dites que c'est déjà vu, je ne comprends pas en fait. Où a été le plagiat là encore? Maintenant, on vient sur Agaza Gaza. Plagiat par ci, plagiat par là. Voilà. Les vraies choses vont commencer. Moi, la définition du mot plagiat que je connais, elle est en relation avec la définition de certaines grandes universités du monde entier. Comment ces universités la définissent le plagiat? Le plagiat, pour ceux qui se limitent seulement qu'aux premières phrases, est le fait de reproduire, de copier une œuvre ou une partie d'une œuvre sans, écoutez-moi bien, sans pour autant mentionner le propriétaire de cette œuvre-là. Ce que Debordeaux n'a pas fait, les amis. Debordeaux n'est pas venu chanter du Angélique Kidjo. Debordeaux n'est pas venu chanter du Dobé Niaoré. Debordeaux n'est pas venu chanter du Nigistaf Cadence. Il s'est inspiré de ces artistes-là pour chanter. Et il les a mentionnés avant de faire sortir ce son-là. Il a bien dit. Et puis il a fait ça publiquement sur sa page Facebook. Il dit les gens vont encore parler. Mais, moi, à Gaza, c'est un mélange de ces quatre artistes que vous voyez. Angélique Kidjo, Dobé Niaoré, Boni Niaoré et Nigistaf Cadence. Les amis, selon la définition du plagiat, pensez-vous que vraiment Debordeaux a plagié? Ah, nous tous on écoute le son. C'est vrai, vous pouvez détester l'artiste pour dire que son son est nul. Mais dire qu'il a plagié, franchement, c'est méchant de votre part. Parce qu'il n'y a eu aucun plagiat. Aucun plagiat. Parce que la définition du plagiat, je la répète encore, nous dit que plagier, c'est le fait de reproduire, de copier une œuvre ou une partie d'une œuvre sans pour autant mentionner le propriétaire de cette œuvre-là. C'est ça, plagier une œuvre. Cette œuvre-là, elle peut être scientifique, littéraire, artistique. Et puisque nous sommes dans le domaine artistique, chers fans de Debordeaux, chers détracteurs de Debordeaux, partez faire vos recherches encore et puis vous venez me dire si je mens. Sinon, vous savez au fond de vous que Debordeaux n'a pas plagié. Debordeaux n'a pas menti de dire, ne s'est pas caché de dire effectivement qui s'est inspiré de ces quatre artistes-là pour sortir à Gaza Gaza. Je vais vous expliquer un truc. Parce que certaines personnes ont tendance à parler avant de réfléchir. Le coupé décalé. Le coupé décalé est le dérivé de quel style musical? Dites-le-moi en commentaire ceux qui connaissent la musique, ceux qui ont l'oreille musicale. Vous savez pourquoi il n'y a pas eu de plagiat? Parce qu'on ne s'est pas caché, nous les Ivoiriens, les DJ ne sont pas cachés pour dire que nous nous sommes inspirés des Congolais pour créer nous-mêmes notre propre mouvement. Donc vous êtes en train d'insulter publiquement le coupé décalé. Vous êtes en train de dire publiquement dans vos vidéos, dans vos réactions que le coupé décalé, c'est du plagiat. Parce qu'on n'a pas caché de dire. Ça n'a même pas fait polémique parce qu'on a dit oui, les Congolais sont venus trop prendre notre argent ici avec les Atalakou et tout ça. Nous aussi, on va prendre les mêmes Atalakou là pour faire ça à l'Ivoirienne.
C'est de là que le coupé décalé est né, le style, c'est-à-dire le rythme coupé décalé est né. Donc de quoi vous parlez? Arrêtez de venir mentir aux gens, arrêtez de venir distraire les gens. Vous détestez la tisse. Bon, ça vous coûte quoi de ne pas parler sur son œuvre qu'il a sortie? En quoi est-ce qu'il a plagié? Ce que vous ne savez pas, la musique en elle-même, c'est tout un système de dérivés en fait. C'est tout un système de dérivés. Je ne connais pas la première musique à l'origine, mais c'est toute une succession. Voilà. Même après le coupé décalé, il y aura d'autres styles musicaux. Arrêtez un peu. Qu'est-ce que vous appelez plagiat? Parce que la définition simple même du plagiat vous contredit. La création du coupé décalé vous-même vous contredit. Vous n'aimez pas demander, vous ne l'aimez pas. Nous, laissez-nous le succès s'habite, ça fait quoi? Il y a des PDM qui ne se cachent pas. Non, sinon, nous, le succès, ça fait quoi? Mais quand vous faites de la désinformation, nous, laissez-nous, donnez-nous le courage et comment je dis, la force, la permission de venir dire publiquement aussi que vous faites de la désinformation. Parce que plagier, c'est lorsque tu viens faire une œuvre et puis tu fais comme si c'était ton œuvre, du genre, tu t'es pas inspiré quelqu'un, l'inspiration est venue de toi-même. Non, c'est pas ce que Debord doit faire. C'est pas ce que Debord doit faire. Debord a prévenu que son Agasa s'inspire de quatre artistes qu'il a cités. Donc, de quel plagiat vous nous parlez? Pour ceux qui font les mémoires, je vous explique. Parce que plagiat à la base, c'est littéraire. Voilà, à la base, c'est littéraire. C'est-à-dire, lorsque tu fais un mémoire ou bien un rapport de stage, parce que quand on fait le rapport, nous, on fait le rapport de stage, on fait des recherches. Donc, quand tu fais des recherches, que tu es en train de faire une argumentation, si tu as pris une idée d'un auteur ou bien de quelqu'un qui a soutenu, vous venez l'argumenter dans ton rapport, faut pas oublier de le mentionner en fait. Vous comprenez un peu? Faut pas oublier de le mentionner. Parce que quand tu ne le mentionnes pas, que le membre du jury s'en aperçoit, on dit que tu as fait du plagiat. Donc, on réfute comment on dit ça? Ton mémoire. Ton mémoire est nettement refusé parce qu'on sait que tu as triché certaines œuvres pour constituer ton document. Voilà. C'est que nous tous, on a plagié. Je parle de ceux qui sont allés à l'école. On a plagié. Voilà. Parce que je m'inspire de quelqu'un pour créer quelque chose, j'ai plagié. Non. Il y a certains artistes qui viennent ici. Il faut sortir une œuvre comme quoi c'est eux qui ont fait l'œuvre, ça vient de leur tête. Et puis on retrouve le morceau de certaines personnes dedans. Ça, c'est du plagiat. Parce qu'ils n'ont pas dit, ils n'ont mentionné nulle part que ce son appartenait à X ou Y. C'est que Debordeaux n'a pas fait. Debordeaux a reconnu qu'il s'est inspiré de ces quatre artistes-là. Arrêtez d'être jaloux. Voilà. Debordeaux n'a pas plagié. C'était ma vidéo du jour. Je sais que les gens vont venir encore parler, mais ils savent. Ils savent très bien que Stéphane dit la vérité. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. À Gaza, 500 000 vues en un jour. Hein. On a 150 000 vues actuellement. 500 000 vues en un jour. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Et les dangers du vieux chasse et du vieux.